Hey, what's up, mon frère? Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de la crédibilité. Après voilà, vu la moyenne d'âge de mes abonnés, je pense que vous allez tous dire en commentaire: c'est quoi la crédibilité? Alors je vais vous donner un exemple tout con. Tu vois, par exemple, une personne qui a un corps de fragile ne peut pas se rappeler devant une personne balèze et dire je vais te niquer. Ou encore pire, il y a des personnes qui ont un corps de fragile et qui disent ouais, je vais foncer telle personne, telle personne, telle personne. Mais après, lorsqu'il se passe ça, ils sont plus là. Et le mec il est parti, il s'est revenu à 5. 5 5 Maintenant qu'est-ce que je fais? Prise de taekwondo, prise de taille. T'es sérieux quoi? Comment est-ce que tu me bouscules toi? Comment est-ce que tu me bouscules? Désolé. Il a eu de la chance lui aussi. La chance au. Ouais, je sais pas si t'as vu. Ferme-la parce que. Oulala! Putain, grosse tapette, tu vois. C'est ça, mesdames et messieurs, c'est un gros manque de crédibilité. Après ça, tu peux plus venir voir une personne et dire: ouais, je vais niquer ta mère, je nique ton père. Tu vois, tu peux plus. Tu vas te manger une baffe, tu vas rien comprendre, tu vas t'envoler sur Saturne. Ensuite, il y a un cas que je vais énumérer avec vous. Les gens là, qui sont au téléphone dehors, qui font des blagues au téléphone avec leurs potes ou je sais pas quoi, tu vois. Tu peux faire des blagues, mais il y a des blagues, on a compris. On a compris le sens de la blague, là. Jonathan, la putain de la race qui attend, là. En fait, c'est passé trop vite, c'est un truc de ouf. Bref. Sinon tu fais quoi là? Mais attends, j'ai une blague, t'as sûrement dû l'entendre. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ça me dit même pas qu'il va faire la blague de merde là. Bah en fait c'est Jonathan. C'est fou. On arrête avec cette blague de merde. Twitter, Instagram, Jonathan. Arrête. On arrête ça là. Blague de merde! Tu peux faire des blagues avec tes potes au téléphone. Ça fait 2 mois, c'est bon. On a compris concrètement, on a compris que Jonathan, il vit. Nique ta mère, Jonathan, frère. Genre, venez, on passe à autre chose. Là, le premier. Je sais plus pas, des bâtards, vous. Mais le premier qui met la blague en commentaire, il va voir. Alors, ensuite, en parlant de téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette génération, tu n'as pas le droit de paraître pour un bonhomme et lâcher des je t'aime au téléphone à ta meuf. Sinon, le jeu, il te regarde comme ça. Ouais, trop con ce mec. Bon, vas-y, je vais te laisser. Allez, vas-y, dis. Allez, je t'aime. Quoi? Oh, il est fragile. Le canard. Bouffon, va. C'est un des seuls gars que je vais défendre parce que je trouve que c'est normal comme ça que ça copie. Comme il dit sur Twitter, ça coûte 0€ d'ouvrir son esprit et arrêter d'être con. Tu vois ce que je veux dire? Bah. Alors, mesdames et messieurs, le pire moment où tu peux perdre ta crédibilité tout en ayant mal au cœur, c'est lorsque tu joues à la Xbox. Tu vois, la Xbox, elle est à toi, elle appartient, c'est ton bébé, tu vois. T'es en train de jouer à la Xbox, il y a une personne étrangère qui se ramène et qui fait ça. Moi, je te suis pas ta gueule ou quoi? Oh, that's what he's got! A scorpion! Nobody can eat it! T'es en train de faire envie là? C'est quoi là? Mais franchement, ça fait mal, tu vois. T'imagines, toi t'as la Xbox, au calme, tu joues, et une personne qui se ramène, elles sont pas des coups du jeu, et elle te défonce. Après, tu peux pas dire, ouais, vas-y, viens, on file pas. Non, t'es nul, elle est meilleure que toi, gros. Franchement, la crédibilité, je trouve ça vraiment important, tu vois. C'est l'image que tu reflètes à travers les gens. Genre, par exemple, tu vois, si t'as un thug, faut que tu fasses des actions, au début, vraiment, t'as un thug, tu vois. Il y a des gens, rien qu'à leur carrure, ça se voit que c'est pas des thugs, ça se voit que c'était pas le train. Il y a pas longtemps, je suis parti à Astérix. Pour ceux qui savent, ils l'ont vu sur ma deuxième chaîne, j'ai sorti une live. D'ailleurs, je fais la pub. Abonnez-vous, gros. Je suis parti à Astérix avec une meuf. Elle faisait la thug en fait. Tu vois, au début, elle faisait la thug et tout. Genre, c'était une grosse folle. Mais ensuite. Oh, mais génial! Quoi?
Une batringue. Moi, je suis une batringue. Il se fout de ma gueule. Ouais, mais j'avoue, je suis une grosse batringue. Watched me last night with two turrets. They caught me fucking on camera. Et donc voilà la vidéo, de chance à faire, ne partez pas, bande de bâtards. Likez la vidéo, likez, commentez, partagez. Et voilà, non sérieusement, faites pas des blagues de Jonathan ou je sais pas quoi là, parce que là, je sais qu'il y en a que ça en commentaire, c'est tellement des bâtards. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis actif de ouf sur Snapchat, Instagram.